niveau. Non, c'est tout bon. Vous venez d'entendre All Glory Told, donc un morceau qui a été composé par James Wangen, compositeur et arrangeur américain, né en 1947, qui a écrit plus de 600 œuvres reconnues d'orchestre, qui sont régulièrement jouées donc, dans des concours et des concerts. Donc vous avez pu l'entendre, le morceau est constitué de 6 parties, plus une introduction avec un solo de trompette, qui permettent de bien explorer les différents pupitres. Merci. Interprété est un medley de Claude Nougaro. Donc les titres que vous allez pouvoir retrouver dans la pièce sont Nougayor, Toulouse, Tu verras, Cécile ma fille, L'enfant phare et Armstrong. Bonne écoute. Thank you.
Bonsoir à toutes et à toutes. Nous allons maintenant vous interpréter Le Hussard sur le Toit, thème du film de Jean-Paul Rappeneau, composé par Jean-Claude Petit. Le film, adaptation du livre de Jean Giono, raconte l'histoire d'Angelo, un colonel de hussards qui traverse la Provence en proie à une épidémie de choléra. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable concert. Thank you.
les autres répétitions. Parce qu'il a fait en temps court et il travaille plus. Pas facilement possible. On va désormais vous jouer un petit medley de, tiré de la bande originale de Gladiator, un film de Ridley Scott. Elle a été composée par Hans Zimmer en 2000. Ce sera, vous savez, toutes les scènes de combat et aussi les scènes d'amour, un medley, une compilation. Et puis, enfin, moi, quand je l'écoute, je me projette pas nécessairement à Rome, mais en tout cas, j'imagine bien les combats, et puis l'arène, le Colisée, on peut facilement s'y projeter. Et puis, moi, ma préférée, enfin, mon moment préféré du morceau, ce sera la balade qui suit la romance de Maximus et Lucilia, jouée par le pupitre de flûte, que je trouve très harmonieuse. Alors, je vous invite à y prêter oreille. Voilà. Bravo. Et juste pour ajouter, on ne pouvait pas venir jouer à Barbezieux sans jouer un arrangement de Laurent Jacquier, je ne sais pas s'il est là. Laurent, non, on le retrouve tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est Laurent Jacquier qui a fait l'arrangement de cette musique. Thank you.
Bonsoir. Il est 5h, Paris s'éveille est une chanson de Jacques Dutronc sortie en 1968. La chanson apparaît aussi sur l'album Il est 5h auquel elle donne son titre. Jacques Wolfson du label Vogue propose après un repas avec Jack Lanzmann et Jacques Dutronc de faire une chanson sur le thème de Paris le matin. Lanzmann et Dutronc commencent à l'écrire le soir même et l'achèvent aux aurores. Durant l'enregistrement, ils ne sont pas satisfaits du résultat, trouvant les arrangements un peu plats. Le flûtiste classique et improvisateur Roger Bourdin enregistre du bac dans le studio à côté du leur. C'est une histoire très drôle. J'enregistre du Jean-Sébastien Bach chez mes amis de chez Vogue quand tout à coup, le directeur artistique de Jacques Dutronc vient me trouver. Écoute Roger, nous sommes en panne avec Dutronc. Il a fait un truc très sympathique hier, mais il y a des trous partout. Comme tu improvises bien, ne pourrais-tu pas les boucher ? Je maugrai un peu, finalement, de guerre lasse, et après qu'ils m'ont amené une petite bouteille de Bordeaux, je fais 2 prises en 10 minutes. Je dis à tous mes élèves, à tous les musiciens, faites de l'harmonie, vous aurez des joies inégalables. Je pense que le fait d'être harmoniste, d'être musicien plus complet, m'a permis de réaliser ce solo. Bonne écoute. Bravo. J'ai plus le micro, pardon. Merci. Et comme nous aimons mettre en valeur nos musiciens aussi, on aime bien mettre les musiciens derrière leur micro pour le coup là. Et donc c'est Emmanuel qui fait partie des gens qui ont ressorti leur flûte, comme de nombreux musiciens dans nos orchestres, qui sont parents d'élèves souvent, et qui viennent jouer avec leurs enfants. Ils retrouvent leurs instruments de jeunesse dans les greniers et ça refonctionne, figurez-vous. Et ils prennent beaucoup de plaisir, en tout cas, à jouer avec nos orchestres. Donc Emmanuel, donc il est 5h, Paris s'éveille.
jusqu'à 23h dans l'ensemble. J'ai essayé les partitions que tu m'avais envoyées. Ça passe pas mal, hein, ça passe quand même. Bonsoir. Donc pour finir, nous allons vous interpréter un medley de chansons de Michel Fugain. Michel Fugain est un chanteur et compositeur français né en 1942 à Grenoble. Il va créer sa troupe qu'il nomme le Big Bazar en 1972. Nous allons vous jouer Attention mesdames et messieurs, chante, une belle histoire, Viva la Vida et les Acadiens. Bonne écoute. Thank you.
C'était l'Orchestre d'Harmonie Eolus Band.